Et puis donc, ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. On a pu entendre souvent présenter la Bible d'ailleurs comme un véritable patrimoine de l'humanité. Et dans votre actualité, il y a aussi la sortie d'une brochure présentant un lieu et une collection, ce fameux sous-sol du Cislomont à Paris. Oui. Vous avez beaucoup travaillé dessus, alors que pouvez-vous nous en dire globalement ? Alors, c'est extraordinaire. D'abord que on n'arrive pas encore à diffuser l'information suffisamment comme il le faudrait. Il y a une très jolie bibliothèque, un très joli lieu, mais surtout il y a 2500 Bibles. Et, oui. Et là-dedans, il y a des trésors. Pas obligatoirement des trésors qui financièrement valent très cher, il y en a, mais il y a surtout l'histoire des hommes qui ont fondé en fait ce travail depuis l'invention de l'imprimerie. Est-ce que finalement le reste prend pas trop de place dans nos vies d'église, dans notre foi personnelle? Et est-ce qu'on ne ferait pas bien de temps en temps de juste revenir et de rester un petit peu simplement sur l'essentiel, de le vivre dans le partage, dans la joie, ça c'est important, il faut que les choses soient joyeuses ici, et puis on peut blaguer, et puis...